PMS, what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the PMS, what they call me. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Window E-Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer la possibilité de mettre à jour le BIOS de votre ordinateur HP. Alors cela concerne que les ordinateurs HP. Alors tout d'abord, il faut éteindre son PC si vous avez votre PC allumé. Vous l'éteignez ici, on fait arrêter. Il va y avoir une combinaison à faire pour le redémarrage de votre ordinateur afin de pouvoir mettre à jour le BIOS de votre ordinateur. Mon PC est éteint, le vôtre aussi. Alors pour cela, on va appuyer sur Windows, Windows, ici même, le B, ici. Alors, on fait les deux. Ici, vous restez appuyé. Vous appuyez pour allumer votre ordinateur sur Power une seule fois. On reste appuyé encore sur Windows et B. Il devrait y avoir un bruit. On reste toujours appuyé. Voilà, vous entendez le ventilateur de mon ordinateur. Je peux relâcher. Voilà, maintenant je suis sur le BIOS de mon ordinateur HP. Et là, la mise à jour s'effectue. Ça va prendre un petit moment, et c'est très important de mettre à jour le BIOS de son ordinateur pour un bon fonctionnement de votre appareil. Le redémarrage va s'effectuer maintenant que la mise à jour de la carte mère, le BIOS de votre HP, a été fait. Arrivé ici, on vous demande de faire entrer pour continuer. On fait entrer. Alors, il se peut qu'il essaye de démarrer et s'arrêter. À 2-3 reprises, ce qui est normal. Et la quatrième fois, votre ordinateur redémarre. Voilà. Voilà, mon ordinateur redémarre une fois que tout a été réglé. Voilà comment mettre à jour le BIOS de son ordinateur HP. C'était Window E-Tech. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis bye bye.